En fonction des circonstances, elles sont assorties d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20 heures à 6 heures. Une limitation et, au besoin, une interdiction sera imposée au transport de voyageurs de région à région. Le ministre en charge des transports, en rapport avec les ministres de l'Intérieur et des Forces armées, prendra les heures, d'interdire, à titre général ou particulier, tout cortège, défilé, rassemblement et manifestation sur la voie publique, d'ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunion, d'interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées de quelque nature qu'elles soient susceptibles de dispositions nécessaires à l'application sans délai du décret sur l'état d'urgence. J'ordonne les forces de défense et de sécurité de se tenir prêtes en vue de l'exécution immédiate et stricte des mesures édictées sur l'étendue du territoire national, conformément à la loi sur l'état d'urgence. Ces mesures donneront en particulier, en conséquence, en vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement, les autorités administratives, et l'ensemble des services de l'État concernés prendront toutes les dispositions. Conformément à l'article 77 de la Constitution, je saisirai l'Assemblée nationale d'un projet de loi habilitant le Président de la République à prendre pour une durée de trois mois des mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux impératifs d'ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le COVID.